messieurs, bonsoir. Mario Lavoie, le directeur général de la télévision communautaire, m'a fait un cadeau pour la période des fêtes. Ma dernière émission, avant la pause de la période des fêtes, bien, j'ai le plaisir de recevoir deux belles collaboratrices, deux femmes que j'aime beaucoup. Vous allez avoir tout à l'heure Manon, comme je dis, Manon des Trois Mondes, Manon Couture. Et pour commencer, bien, j'ai une représentante de Catara, Karine Soares. Bonsoir, Karine. Bonsoir. En Catara, qu'est-ce que ça veut dire déjà, donc? Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. À un moment donné, tu vas le retenir. Oui, oui, oui. Alors, Karine, tu es arrivée à l'émission avec une belle brique. C'est rapport du vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2015-2016. Ça, le vérificateur général, ça, c'est celui qui se met le nez dans toutes les affaires du gouvernement pour voir s'ils font bien ou mal. C'est un peu ça, hein? En quelque sorte. Moi, je dis toujours que le vérificateur général du Québec, c'est la conscience du gouvernement. Ouais. Ben, alors, si t'es arrivé avec le rapport, il y a sûrement un rapport avec Catara. C'est quoi? Oui, bien, il y a tout un chapitre cette année qui est consacré à l'indemnisation des travailleurs accidentés. Ah bon? Puis, c'est le plus épais. Ah bon? Hein? Oui. Alors, le rapport consacre donc un chapitre entier à la Commission de la santé et sécurité du travail du Québec, donc la CSST. Puis, la vérification visait à assurer que la structure puis les mécanismes mis en place à la CSST, là, assurait une bonne indemnisation. Dans le fond, que la gestion de la CSST est effectuée de manière efficace et équitable. OK. Alors, okay. Il faut dire que le vérificateur, là, c'est une dame, là, c'est oui. Guylaine Leclerc. C'est bien ça. On dit alors, Madame la vérificatrice, oui. Mais le vérificateur, c'est l'institution. Alors, je vois chapitre 4, lésions professionnelles, indemnisation et réadaptation des travailleurs. Oui. Donc, tel que je te connais, je serais surpris si tu me disais que tu ne l'avais pas lu attentivement, ce chapitre 4-là. Oui, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre que je vais lire aussi attentivement le rapport Charbonneau, mais celui-là, j'ai passé plusieurs heures dessus, effectivement. Okay. Puis, Madame Leclerc, là, elle a fait des commentaires, des remarques? Est-ce qu'elle a fait des critiques? Oui, oui. J'en ai préparé pas mal, puis je vais dire, c'était très, très étoffé comme rapport. Puis je pense que pour une première fois, je viens de voir avec des notes. OK. Mais alors, allons-y rapidement, parce que quand il va nous rester à peu près 4-5 minutes, là, ouais. J'aimerais ça, elle doit avoir fait des recommandations. Bien, c'est ça, je vais faire le tour. Là, ah, OK, je vais on fait le tour en même temps. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'a dit Mme Leclerc au sujet de la CSST? Bon, bien, moi, j'ai soulevé 5 points importants là, dans son rapport. Donc, okay. Le rôle de la CSST, l'assignation temporaire, l'emploi convenable, les disparités régionales et les indemnités de décès. On va voir, on a 15 minutes, on va faire comme on OK. Peut. Alors, allons-y. On va, rôle de la CSST. Exactement. Donc, on sait que la CSST, c'est l'organisme qui est responsable de l'administration du régime de santé et sécurité au travail au Québec. Et c'est aussi la CSST qui veille à ce que les travailleurs reçoivent toutes les indemnités auxquelles elles ont droit. La CSST est financée à 66 % par les employeurs et 33 % de revenus de placement. Et puis, c'est 15 membres. Hein? Le conseil d'administration de la CSST est composé de 15 membres qui sont tous nommés par le gouvernement. Par contre, au niveau de la gestion, il y a beaucoup de lacunes selon la vérificatrice. Les règles, notamment les règles de régie interne du conseil d'administration, n'ont pas été modifiées depuis 1981. Donc, c'est ni plus ni moins que depuis que la loi est entrée en vigueur. Et le processus de révision est en cours depuis 2011. Et ça n'a pas encore été mis en application. Donc, ça démontre ni plus ni moins que l'immobilisme qui est en cours au sein de la CSST. En découle aussi un problème d'adaptation aux défis du marché du travail tel qu'il est en 2015. Donc, on ne fait pas on ne tient pas compte de l'évolution des connaissances scientifiques, notamment dans l'indemnisation des travailleurs. Okay? Et ça, dans les pratiques quotidiennes, ça se reflète. Donc, on va assister à des conditions qui sont moins favorables pour les travailleurs. Et ça occasionne aussi des hausses du niveau de contestation des décisions de la CSST. Ça l'a augmenté de 49 % depuis 1999.
Donc, on voit vraiment là, qu'il y a un immobilisme. Ah, c'est la moitié, c'est plus oui, là, oui, ça a comme doublé. Tu sais. Ouais. Il y a vraiment un immobilisme qui nuit à la gestion de l'organisation. Puis, c'est le rôle d'un conseil d'administration que de renforcer puis d'améliorer les pratiques de gestion interne. Mais ce qu'ils font pas, si je comprends exactement bien, les administrateurs. La CSST, les administrateurs ne démontrent pas ces qualités-là. Okay. Il y a aussi le fait que leur conseil d'administration se passe en vase clos. C'est-à-dire que les débats se passent en vase clos et lorsqu'ils ont consensus sur certains points, là, ils les amènent au conseil d'administration. Donc, c'est du tout cuit. OK? Et alors qu'un conseil d'administration devrait être un lieu privilégié pour débattre des enjeux en santé et sécurité du travail, bien, lorsqu'on assiste au conseil d'administration, c'est pas vraiment la vraie game, comme on pourrait dire. Okay. Ça a tout été décidé déjà à l'avance. Donc, ça, c'est une grande lacune parce que la vérificatrice mentionne que c'est un manque de transparence de la part de la CSST. Le moins que l'on puisse dire. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas? Et puis, on a aussi des problématiques de planification parce qu'il y a des sous-comités au conseil d'administration et le conseil d'administration ne fixe pas de priorité ni d'échéancier à ces sous-comités. Donc, en conséquence, il n'y a pas d'assurance que les mandats qui sont octroyés à divers intervenants dans les comités techniques qui sont effectués adéquatement. Donc, il y a vraiment un manque de leadership de la part du conseil d'administration, mais il y a pire que ça. Ah oui? Oui. C'était pour te dire, c'est un club social, ça? Ou... Quasiment. Écoute, il y a un montant d'argent qui est octroyé au conseil d'administration pour que le conseil d'administration mandate des intervenants à l'extérieur de la CSST pour des projets divers. Là. Et là, on s'est rendu compte que sur un montant X, hypothétiquement 5 millions, bien, il y en a la moitié de ces argents-là qui sont octroyés à des organismes dont un membre de l'organisme siège sur le conseil d'administration de la CSST. Ah, donc, autant à l'heure de la commission Charbonneau, là, c'est de dire que la CSST flirte finalement avec des pratiques collusoires. Hein? Ah, bon. Alors, c'est sûr que c'est une très grande critique et c'est sévère, oui, okay. C'est ça. Alors, c'est une étude, donc, c'est une partie de l'étude qui est choquante. Hein, le deuxième point, c'est? Au niveau de l'assignation temporaire. Bon, c'est quoi l'assignation temporaire? Tout le monde appelle ça les travaux légers. Okay. Donc, les travaux légers, c'est une mesure qui est mise en place, une mesure provisoire pour maintenir une personne accidentée au travail, okay, durant la récupération. Ça fait en sorte que le travailleur ne quitte pas son emploi. Il a une tâche allégée ou différente et il a droit au même salaire et aux mêmes avantages, mais il y a beaucoup moins de pertes. Il y a des avantages des deux côtés, disons-le. Il y a des avantages pour le travailleur accidenté qui ne reste pas isolé chez lui pendant un temps de récupération qui peut durer X temps, mais aussi pour l'employeur, c'est quand même beaucoup moins coûteux d'avoir un travailleur qui va faire des tâches différentes pendant un temps donné que de perdre carrément un travailleur pendant une période de temps X. OK, oui. Sauf que les avantages sont vraiment majeurs pour les deux parties, mais selon le vérificateur, la CSST a un rôle à jouer, un rôle d'influence et de sensibilisation à jouer auprès des travailleurs et des employeurs. Et carrément, ce que le vérificateur dit, c'est que la CSST n'a pas fait ses devoirs à cet égard. Donc, les intervenants qui sont responsables d'accompagner les employeurs dans la démarche d'assignation temporaire ne possèdent pas les outils ni les connaissances nécessaires pour sensibiliser les employeurs aux économies qui sont liées à une réaffectation, donc à une assignation temporaire, et ne possèdent pas non plus ces connaissances-là et ces capacités d'accompagner le travailleur accidenté dans une démarche d'assignation temporaire. Donc, le rôle de coordination de la CSST n'est pas exécuté de façon adéquate. OK. Voilà. Alors, ça aussi, c'est au désavantage du travailleur, mais aussi de l'employeur. Okay. OK. Troisième. L'emploi convenable. Ça, Nancy en a parlé souvent aussi. L'emploi convenable, c'est un emploi qui est déterminé une fois que la lésion a été consolidée, c'est-à-dire que le travailleur a atteint un plateau de récupération et là, on dit... Ta situation, ta santé va rester comme ça, mais il faut que tu retournes au travail. On va essayer de te trouver un emploi qui tient compte de tes capacités. Donc, un emploi convenable, ça doit respecter 5 critères.
Je ne les énumérerai pas ici, mais je veux juste dire que la détermination de l'emploi convenable, ça a un impact capital pour un travailleur parce que une fois que l'emploi convenable est déterminé, bien, les indemnités de remplacement vont être diminuées. Ce qui arrive, c'est que à la CSST, pour encadrer ça, on n'a vraiment pas les structures adéquates. Donc, je vais donner juste un chiffre. Dans 8 dossiers sur 10, au moins un des 5 critères prévus par la loi n'a pas été respecté. Ce qui fait qu'il y a un manque d'uniformité dans l'interprétation, l'application des critères. Et c'est dangereux parce que le travailleur peut se retrouver avec des ennuis problème. Financiers. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Il nous reste moins de 3 minutes, ouais, Karine. Okay, alors, bon. Allons-y. Alors, pour ce qui est de l'emploi convenable, ce que je veux terminer, c'est qu'une fois que l'emploi convenable est déterminé, que le revenu est déterminé, bien, il ne peut pas être révisé à la hausse. Alors, il y a toujours un petit danger là, à ce niveau-là. OK. Allons-y rapidement. Peut-être parler des indemnités de décès. En fait, il y a des indemnités de décès qui sont prévues pour les personnes à charge, les parents ou la succession. On appelle ça les ayants droit des travailleurs qui décèdent, soit en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. La vérificatrice générale a étudié 38 dossiers de travailleurs décédés. Et elle en a étudié plus que ça, mais il y en a 38 dossiers qui comportent des irrégularités. Et ces irrégularités-là touchent principalement les montants qui sont dus à ces ayants droit. Donc, selon la vérificatrice générale, plus de 2 millions de dollars n'auraient pas été versés aux ayants droit, mais la CSST est en contact avec 34 de ces 38 dossiers-là, donc avec les familles, et ça ne bouge pas. Ces argents-là sont dus, mais ça ne bouge pas. Donc, il y a vraiment un problème d'immobilisme et de coordination là, au niveau de la CSST. Le mot immobilisme revient très souvent. Oui, oui, c'est ça. Maintenant que Mme Leclerc là, a fait ses remarques, ses critiques, est-ce que toi, qui es de l'autre côté, tu es surprise des remarques faites par Mme Leclerc et à quoi tu t'attends? Bien, moi, je ne suis pas surprise parce que c'est des choses qu'on constatait au quotidien à Qatara. Ça fait du bien de le voir sur papier. Par contre, malheureusement, des rapports, ça reste souvent sur des tablettes, puis ça fait de la poussière. Mais au moins, je me dis, pour une fois, c'est écrit. Alors, on verra bien ce que ça va donner, mais moi, ça me donne, dans le fond, de la matière à, lorsque j'aurai des travailleurs qui feront face aux besoins qui ont été soulignés, qui feront face à des problèmes qui ont été soulignés dans le rapport du vérificateur. Justement, vous autres à Qatara, est-ce que ça peut vous aider si vous rencontrez quelqu'un de la CSTC et dire, bien là, enlignez-vous, là, avez-vous lu? Peut-être que ça va les obliger à... Ça ne nous nuira certainement pas. Bon, non, okay. C'est sûr que c'est très bien pour nous de le voir écrit en noir et blanc. Bien, je te remercie beaucoup, Karine. Je te souhaite de passer une agréable période des fêtes. Bien, à toi de même. Et vous, bien, demeurez des nôtres. Je reçois Manon des Trois-Monts. Tel que promis, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Manon Couture, mieux connu sous le nom de Manon des Trois-Monts. Bonjour. On t'agace beaucoup, mais c'est parce que tu es la directrice du sentier pédestre des Trois-Monts à Colerain. Alors, c'est pour ça que je me plais toujours à t'appeler Manon des Trois-Monts. D'ailleurs, je pense que tu te présentes souvent comme ça. Exactement. Hein? C'est mon travail de représenter Trois-Monts quelque part. Alors, Manon des Trois-Monts. On est dans la mi-décembre. Est-ce que vous avez des activités particulières pour la période hivernale? Est-ce que c'est commencé? Ça s'en vient, oui, c'est commencé en partie, mais le plus gros s'en vient là, en janvier. Okay. Nous, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ouvert l'hiver. Il y en a encore beaucoup qui nous demandent si on est ouvert, si les sentiers sont ouverts. Ah, ben oui, on peut aller marcher l'été, au printemps, mais pas l'hiver. Mais il y en a qui ne le savaient pas. Il y a même des gens de Tétford, des fois, qui me posent la question, donc on rétablit les faits. On est ouvert. Alors, vous êtes ouvert 12 mois par année. Exactement. Ou à quelques semaines près, là, au gel-dégel, là, où on ferme quelque temps. Oh, c'est vrai, il faut protéger les sentiers. Exactement. Hein? Okay. Oui. Donc, vous êtes ouvert cet hiver. Donc là, on est à la mi-décembre. Qu'est-ce qu'il y a à faire au sentier des Trois-Monts
prendre des marches dans la neige? C'est sûr que les gens peuvent venir en tout temps, tous les jours, entre 9 et 3 heures dans les sentiers, en raquette ou en bottes, dépendamment de la qualité de la neige, puis dépendamment si les sentiers ont été bien tapés ou pas. Mais habituellement, avec des raquettes, on s'en sort bien. Ensuite, nous, on fait aussi beaucoup d'activités pour essayer de faire connaître les trois mondes de façon différente. Donc, on a bien sûr deux randonnées nocturnes qu'on prévoit durant l'hiver. Donc, c'est un samedi soir par mois, donc en janvier, en février. Ah bon? Oui, exactement. Puis les gens, ils viennent à partir de 19h avec lampe frontale, raquettes s'ils en ont, mais nous, on en prête aussi. Donc, ils viennent, puis ils peuvent arpenter le Mont Hawk, entre autres, qui est notre sentier le plus facile. Puis c'est vraiment féerique. Là, on voit l'espèce de lacet de lumière frontale qui fait la montagne. Puis l'année passée, on a été vraiment chanceux. On a eu une belle petite neige, là. C'était vraiment merveilleux. Puis c'était pas trop froid non plus. Mais vous en faites aussi des randonnées nocturnes durant la période estivale? Exactement. On fait les Perséides, entre autres. OK. Mm. Mais là, il va en avoir deux, une en janvier... Et une en février. Exactement. Tu disais tout à l'heure, justement, que les gens peuvent y aller n'importe quand, entre 9h et 15h, là, pour faire de la randonnée. S'il y a de la neige, est-ce que vous louez ou est-ce que vous prêtez des raquettes? Ou est-ce que dans le prix, parce qu'il y a un prix à payer pour aller utiliser vos sentiers, c'est combien? Exactement. Est-ce que ça comprend le prêt d'une paire de raquettes? Bien, nous, on a quand même un peu nos raquettes, mais c'est sûr qu'habituellement, nos habitués, ils viennent, payent le droit d'entrée qui est de 5 $ par adulte, mais on a aussi d'autres tarifs pour les étudiants puis les aînés. La famille, exactement. Mais on a aussi des raquettes qui peuvent être louées au coût de 5,50 $ par jour. Ah, bon, par okay. contre, lors de nos randonnées nocturnes, on a un partenariat spécial avec Intersport, où là, les raquettes viennent avec le prix d'entrée. Là. Donc, Intersport nous prête gratuitement les raquettes. Puis, ils sont aussi sur place pour répondre aux questions, parce que c'est un bon moment pour essayer la raquette, qui sont des raquettes de l'année, puis aussi de voir si ça leur convient, puis d'avoir des conseils, tout simplement. Oui. Là, je vais te poser un piège, là, mais est-ce que ce sont des raquettes conventionnelles ou ce sont les nouvelles sortes de raquettes qu'on voit, là, qui sont... plus étroites, tout ça. Bien, là, vous voulez dire les traditionnels, c'est les en babiche, oui, en bois. Oui. Oui. Mais c'est sûr qu'au Trois-Monts, c'est plus dur d'être avec ce type de raquette-là. À cause des pentes. Des pentes? Je sais pas. Moi, je me rappelle avoir déjà essayé de grimper une pente avec pas de crampons en dessous de ma raquette, là, puis c'est quand même difficile. Fait que nous, c'est sûr Comme qu'on commande les nouvelles. On spin? Ou on glisse, on fait le toboggan. Oui. Ah, bon, oui. OK. Donc, c'est vraiment, on conseille là, les raquettes avec les crampons. Puis c'est de toute façon de plus en plus difficile à trouver là, les raquettes traditionnelles, je vous dirais. Ah bon, ou bon, sur bon. Le marché. Ah ben moi, comme président du Chemin des artisans, je peux te dire que j'ai un artisan, moi, qui stresse la babiche pour des raquettes dites conventionnelles. Mais vous autres, c'est ça, on à cause de la configuration des sentiers que vous avez... ça serait plus difficile. Exactement. Okay. À moins qu'ils en fassent avec des crampons, là, je veux dire, toujours place à l'innovation. Ça, je sais pas, là, je m'aventure pas sur ça. Donc, ça, c'est vos randonnées nocturnes. Est-ce que vous avez d'autres choses aussi cet hiver? Ah oui, bien là, on a parti aussi un groupe de marche. Donc, des fois, on sait qu'on a des gens seuls qui ne veulent pas nécessairement venir marcher seuls ou qui n'ont jamais vraiment fait de raquettes puis veulent s'essayer. Donc, c'est vraiment une bénévole qui a parti notre groupe de marche qui s'appelle les randonneurs du dimanche. C'est un dimanche par mois. Les dates sont détaillées sur notre site Internet parce que ce n'est pas nécessairement tous les premiers dimanches du mois. Alors là, OK, vas-y, continue. Et puis, en fait, simplement, les gens se présentent à 9h30. On peut soit leur louer des raquettes ou s'ils les ont déjà, bien, ils se joignent au groupe. Pour l'instant, on fait pas des randonnées très difficiles, mais dépendamment de la qualité des randonneurs puis aussi de leur niveau de difficulté qu'ils peuvent faire, bien là, on ajustera là, les sentiers. Parce que comme on a 20 km de sentiers aux Trois-Monts, c'est quand même facile de toujours faire un petit sentier un peu différent. OK. Alors là, tu m'as ouvert la porte. C'est quoi votre site déjà? www.3 en chiffre, mont avec un s.ca. 3, mont, oui, ça prend un s, hein, parce qu'il y en a trois. Exactement. À .ca. Donc, c'est 3mont.ca, mais 3, le chiffre. Exactement. Alors, on ne peut pas ne pas le retenir. Exactement. Et là, les gens vont y aller, ils vont avoir les coordonnées, ils vont avoir les dates pour les...
randonnée, la marche du dimanche, c'est ça? Les randonneurs du dimanche, les exactement. Les randonneurs du dimanche. Donc, puis c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'inscription. Là, les gens se présentent à 9h30. On attend un petit peu, puis après, on part avec les gens. Donc, on veut vraiment faire ça simple. Puis, pour aussi permettre, en fait, les gens d'avoir accès aux montagnes, puis okay. profiter du plein air. Est-ce que c'est particulièrement après la période des fêtes ou pendant la période des fêtes? On a déjà, on avait déjà une le 13 décembre, donc okay. qui vient de passer. Puis après, là, c'est vraiment un dimanche par mois. Donc, le prochain est le 10 janvier. OK. Mais vous autres, là, est-ce que vous êtes accessible là, durant la période des fêtes? Est-ce que c'est ouvert aux trois oui, mois? Oui, nous, les trois mois sont ouverts. Bien sûr, on est à heure réduite le 24, on est fermé le 25. Même chose pour le 31 premier. OK. Wow. Et maintenant que la route 112 est ouverte, les gens ont plus raison de ne pas y aller. Et... Exactement. C'est beaucoup plus simple et moins long. Beaucoup plus simple et moins long. Alors, toi, pour venir ici au studio, tu as emprunté la nouvelle route. Moi, j'étais étonnamment très, très, très tôt. Oui. J'ai vu que tu avais aussi un carton là ici. Oui. C'est marqué « Tirage gagné avec les trois monts ». Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un moyen de financement parce que nous, comme on est un organisme à but non lucratif, on est toujours à la recherche de nouvelles idées de financement, de nouvelles façons, c'est sûr. Puis, ben, suite au succès de l'an passé avec notre tirage, ben, on le renouvelle cette année. Le tirage va avoir lieu le 17 février à 18h30, juste avant notre Assemblée générale aux trois mois. Ah bon? Et puis, cette année, c'est vraiment intéressant. On a vraiment des partenaires qui nous ont permis d'avoir des très beaux prix. Donc, bien sûr, il y a Voyage Transat, qui est 1 500 de crédit voyage, qui peuvent être utilisés pour tous leurs produits, en fait. On a aussi un partenariat spécial avec le Club des passionnés des Bois-Francs, qui se trouve à Saint-Jean-de-Brébeuf. Ils nous ont fait un coffre qui est vraiment magnifique, d'essence noble, là, frein et être, avec un petit fond en cèdre pour dire qu'on garde une belle senteur à ce qu'on met dedans. C'est une valeur de 350 $ quand même. C'est vraiment intéressant. On a aussi la Caisse des Jardins qui nous a offert le produit de choix des gens lorsqu'ils gagneront. C'est un 300 $. Donc, ça peut être un REER, un REE, peu importe. Là, le choix est grand. Puis aussi, bien, il y a le manoir du Lac William qui nous a offert un coucher ensuite lac là, pour profiter là, des installations là-bas. Alors, vous avez quatre beaux prix et vous vendez vos billets combien? Puis auprès de qui que les gens peuvent s'en procurer? Bien, en fait, les gens peuvent s'en procurer soit aux trois monts directement. Ils peuvent aussi appeler. On peut s'arranger pour les envoyer par la poste s'il le faut. Ensuite, bien sûr, auprès de nos administrateurs qui sont identifiés également sur le site Internet comme on l'a détaillé tout à l'heure. Troismonts.ca. Exactement. Et puis, mais la façon la plus facile, c'est vraiment de nous appeler au 418-423-3351. 33-51, 423-33-51 dans le 88. Exact. OK. Et c'est combien? Ah oui, billet? C'est 20 $. Puis il y en a seulement 300 à vendre. Donc, on essaie de garder les chances quand même bonnes. Ah là, oui, tu as 4 chances sur 3, sur 300 de gagner. Donc, ça veut dire 2 sur 150, 1 sur 75. Donc, exactement. Ça veut dire que c'est plus que 2 % ça. C'est déjà beaucoup plus que n'importe quel loto. Le tri, oui, exactement. Ouais. Mais... Et là, ça vous sert comme moyen de financement. Exact. Donc, c'est sûr que la vente, on calcule vite, hein, 300 billets à 20 $, bien, ça nous fait un beau 6 000 $, moins, bien sûr, les frais administratifs, puis aussi quelques autres dépenses. Le salaire de la directrice. Mais en fait, c'est pour nous aider à améliorer notre accueil de Vimy, qu'on voyait beaucoup le long de l'ancien parcours de la route 112, qui avait besoin d'être amélioré, puis aussi nos sentiers du Mont-Caribou. Donc, c'est sûr que l'argent va aller de ce côté-là, certainement. Bon. Manon, il y a eu... Tu m'as parlé avant le début de l'émission qu'il y a eu une planification stratégique qui a été faite, puis ça vous a permis d'avoir un profil assez précis du randonneur. Oui, en fait, en novembre, on a eu le droit, on a eu la chance, en fait, d'avoir un conférencier des Sentiers de l'Estrie qui est venu nous parler d'une étude qui était faite à la grandeur du Québec. Parce que nous, dans le cadre de la planification stratégique aux Trois-Monts, c'est vraiment de se recentrer, de vraiment aller vers où ce que la clientèle recherche, en fait. Et puis, pour être compétitif, parce qu'il y a énormément de sentiers de marche partout au Québec. Okay. Donc, le profil, en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est très, très intéressant pour nous, c'est que la clientèle est de plus en plus féminine au niveau des gens de randonnée ou encore de plein air.
Et est-ce que c'est une clientèle... est-ce que vous allez chercher les jeunes ou c'est une clientèle plus âgée? Bien, en fait, ce qui nous a réconfortés, parce qu'on le constate aussi, nous, avec notre clientèle, c'est que la clientèle est vieillissante puis qu'il n'y a pas vraiment de nouveau, de nouveau, donc de jeunes là, qui... Donc, vous allez savoir où vous dirigez pour cibler vos prochains clients. Exactement. Pour nous assurer d'avoir des gens aux trois mondes. Oui, je te remercie beaucoup. Merci. À toi. Et à tous les spectateurs, téléspectateurs, j'en profite pour vous souhaiter de passer une agréable période des fêtes. Et je vous invite à nous revenir le 4 janvier. On reprend nos émissions le 4 janvier. Bonne période des fêtes.